Desde hace semanas, Natalie y Jean Patrick, padres de Melissa, están frente a la incubadora y ayudan en el desarrollo de su bebé. Después de un mes de hospitalización, la salida de Melissa no ha sido considerada aún. Elle va très bien, pas de résidus, donc elle a bien digéré. Donc voilà, on a augmenté un petit peu. Un petit peu, 4,5. Voilà, elle va très bien. Donc maintenant, on la met un peu à peau. Oui, je veux bien. Allez, c'est parti, je me la mets. El método canguro colombiano ha asegurado una ayuda en numerosos servicios de prematuros. Los beneficios del contacto piel a piel son reconocidos y las incubadoras se abren algunas horas para dejar a los bebés en contacto con la piel de sus padres. Je pense qu'elle n'aura pas besoin de ça. Oui. C'est bien, t'as pas eu de résidus cet après-midi. C'est bien, t'as tout digéré. Hein? C'est bien, ton petit estomac il s'habitue. Tu sais faire dodo? Le contact, pour la première fois qu'on me l'a mise, de sentir la petite main là, qui passait, ça fait plein de sensations. Et, bon, on ne peut pas dire que ça fasse comme quand elle était dans le ventre, mais ça fait une sensation, une chaleur, quelque chose qui nous manquait en fait. Parce que quand on n'a plus le bébé à l'intérieur, c'est un manque. Parce qu'on n'a pas accompli notre grossesse pleinement. Quoi. On sait que c'est son enfant. Mais tant qu'elle ne sera pas tout le temps avec nous, on ne peut pas se sentir pleinement mère, en fait. C'est ça qui est bizarre. Des fois, je rentre, ben, il n'y a pas Mélissa avec nous, donc c'est comme si c'était la vie d'avant. Et voilà. Elle est où ? De l'autre côté. On va faire coucou de l'autre côté. Elle finit pas à dormir, de toute façon. On met le fauteuil là-bas, on laisse là. Oh là là. Attends. C'est quoi? Mais je mets la couveuse droite. Voilà. Au revoir Fifi, à demain. À demain mon cœur. Elle. C'est à toi de bouger. Elle est hyper agitée. Mais... C'est pas grave, ça va se calmer. Là. Elle va se calmer. Allez, on y va. Ça, on va mettre ça dans le coin. Mire, ¿tienes hambre? Sí, ya. Ya vamos a echarle tetita. Ay, Vanessa, ¿qué es eso? Ay. Ay, mire. Ya. Ay, a ver. Mire. Come. Ay, qué cosa con ella. Está más chismosa. El chisme ahí. Primero que la comida. Mi noche. Ma nuit. Quelle nuit. Il n'y a pas une nuit. Mi primera noche. La première nuit. Notre première nuit. On n'a pas dormi. Ça a été une nuit très dure. Una noche muy dura. Muy. Muy, muy. Sobre todo porque. Surtout parce que nous pensions. À l'oxygène. Quand on nous a donné l'oxygène, on nous a dit que c'était très important pour elle.
Alors je ne dormais pas parce que je vérifiais que la canule soit bien positionnée. La maman l'avait sur la poitrine, elle ne se lassait pas de la regarder. Et moi pareil, j'étais à côté et je regardais. En plus, Nicolas, notre fils, est resté dans notre lit, lui aussi. Il a passé beaucoup de temps à regarder. Et puis, il fallait être prêt pour les repas. Mais nous préférons vraiment être à la maison. Oui, parce qu'à l'hôpital, on ne pourrait pas faire ça. C'est sûr que s'il y avait eu cette méthode kangourou en France, peut-être qu'on aurait pris cette chance quoi, de la ramener plutôt à la maison. Quoi. C'est vrai qu'on le voit quand elle est sur nous, elle est bien. Ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un bénéfice. Hein. Mais je sais pas si c'est l'envie, parce que je pense que quelque part il y a l'angoisse aussi, le fait qu'ils soient ouais, indépendants. Je pense qu'il doit avoir un certain angoisse que peut-être nous on n'aura pas au bout qu'elle va sortir. Des 2 mois que l'on va. Qu'on va attendre avant qu'elle puisse sortir, quoi. Padre. No te dejo allá y ya subo por ti. Despacio. Vamos a ver cómo le fue a Laura. Ven, Laura. Sí, Lauris. Muy bien. Bon. Vanessa, 1900 grammes, 10 grammes de plus qu'hier. Bon alors, il faut que je vous félicite. Non, vraiment, elle a pris du poids. Et ça, c'est vraiment rare, une prise de poids le lendemain d'une sortie. Vraiment. Donc, on a le grand privilège avec cette petite. Laura Vanessa. Elle a pris 10 grammes depuis hier. Le plus souvent, les bébés, le premier jour baisse de poids parce que tout est nouveau, tout est étrange pour eux, les parents sont fatigués, mais non, elle a augmenté de 10 grammes. Et ils vont venir tous les jours jusqu'à ce que Laura Vanessa augmente de poids de 15 grammes par kilo par jour. C'est la même croissance qu'elle aurait eue si elle était restée dans le ventre de sa maman. Le kangourou, ça marche mieux d'une certaine façon que de rester à l'hôpital. Rester à l'hôpital, ça veut dire non seulement être séparé de ses parents, mais ça veut dire avoir le risque de prendre une infection à l'hôpital. L'enfant ne grossit pas bien, il est dans une boîte très utile qui s'appelle l'incubateur, mais qui fait du bruit, qui a de la lumière en permanence. Même si on essaye d'humaniser tout ça, c'est quand même pas l'endroit idéal pour un enfant qui... À un moment donné, n'a plus besoin que de la chaleur de l'incubateur. Donc la chaleur de la mère est tout aussi parfaite. Et ça a été démontré avec plein de petites électrodes pour montrer qu'il régulait sa température en kangourou. C'est 24 heures sur 24, comme l'incubateur était 24 heures sur 24. Et en plus, ça permet de stimuler l'alimentation maternelle. Le lait maternel, c'est quand même quelque chose qui est le plus tolérable pour cet enfant fragile qu'est l'enfant prématuré. Elle lui donne à manger toutes les heures et demie dans la journée et toutes les 2 heures la nuit. Donc c'est un sacré travail. Donc c'est cette raison pour laquelle que quand l'enfant arrive à terme, les parents se sentent extrêmement orgueilleux du travail qu'ils ont fait. Et ils ont tout à fait raison parce qu'ils ont tout fait. Nous, on donne les conseils, on surveille, on les suit et eux font tout le travail. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas actuellement proposer en France des sorties à 34 semaines avec de l'oxygène. Je pense que c'est pas possible et que c'est pas souhaitable. Et je pense que c'est pas souhaitable parce que donner un bébé comme ça à ses parents avec un stress, vous avez vu que cette maman est très stressée, parce que qu'est-ce qu'on fait ? On lui enlève le scope brutalement et on la fait sortir.
Je pense qu'en France, on ne peut pas le faire. Ce genre de choses est impossible à faire parce que cette gestion du stress est très importante dans nos services. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bah écoutez, on peut commencer la séance. Il y a notre sage-femme, Pascal, notre surveillant, Aline, Marie, notre médecin neurocomportementaliste. Qui veut parler? Qui veut poser des questions? Ben, Mélissa, elle est née il y a un peu plus de mois, à 1,30 kg aussi, comme il a. C'est sûr. Et là, elle fait 1,3 kg, ça va. Quand il y a eu une période où ça allait moins bien, on lui a remis la voie centrale. Et là, ça va, elle prend son poids au fur et à mesure, elle sature bien. Ouais. Moi, je suis la maman de Maëlle, qui est née à 31 semaines avec 1,6 kg. Je vais en faire rentrer chez moi, c'est pas pareil. Ça fait vite, c'est vide. Quand on sait qu'il y a un bébé qui est là, quoi, et on n'entend pas pleurer la nuit. On se lève à 3h du matin et pourtant, on lui dit, il faut dormir, profitez-en, il n'est pas à la maison. Et nous, c'est une question de réflexe. À 3h du matin, on a les yeux ouverts et puis il n'y a personne. Et que nous. Vous n'avez pas à culpabiliser et vous n'avez pas à dire devant la couveuse, je ne sers à rien, regardez-moi, c'est l'alarme qui surveille mon bébé. C'est pas vrai. C'est vous qui êtes important. Qu'est-ce qui est cohérent pour ce bébé qu'on a arraché votre utérus, si ce n'est votre voix et votre odeur? Il se retrouve dans un univers qu'il ne connaît pas, à un moment donné où il n'est pas prêt du tout à l'affronter. Et donc, pour lui, c'est certainement quelque chose de très, très déstabilisant. Et le seul moyen de lui rendre son unité et de lui redonner l'impulsion, c'est vous, votre odeur, votre voix et votre présence. Donc nous, on pourrait être les meilleurs techniciens du monde. Sans votre aide, on ne va pas très loin. Puis sans votre bébé aussi, parce qu'il s'accroche. C'est eux qui choisissent de vivre. Hein. S'ils n'ont pas décidé, ils lâchent prise. Bonjour. Eh bonjour. Ça va? Et vous? Ça va bien. Vous allez partir manger? Non, on va faire un peu de musique. Non, ça va. Vous arrivez là? Oui, on arrive, ouais. On fait un peu de musique comme la dernière fois. Bah ouais, qu'est-ce qu'on avait chanté la dernière fois? La chanson des bisous. La bisous. Ah, exact. Vous avez révisé alors? Ouf. Oui.